salut les amis, c'est Vadim. Aujourd'hui, on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo sur Boom Beach. Alors, tout d'abord, je voudrais vous remercier à la personne qui a commenté pour dire que mes statuts ici étaient entre guillemets inutiles. Même si moi, pour moi, c'était utile pour les bases de ressources, etc. Mais ouais, du coup, moi, je construis en ce moment un petit guerrier et tout. Oups. Donc voilà. J'ai également un canonnier ici, comme boost. Et j'ai stocké des trucs. J'ai canonnier, enfin j'ai que des trucs, voilà. Enfin ça, il faudrait peut-être supprimer, je sais pas. Ça, je suis en train de réfléchir. Donc voilà un petit boost. Et il faudrait que j'améliore également... Stop. Mon sculpteur. De un niveau, donc c'est pour ça que là, j'économise les ressources. J'ai pas beaucoup de fer, comme avant. Donc j'économise à fond. Alors on a, donc si je suis venu ici, c'est pour surtout comme vous voyez la miniature, c'est pas pour ça non. C'est pour, elle est pas marquée, dommage. Mais en gros on a une troupe ici. Donc on clique sur info. C'est écrit au bombardier. Donc je n'ai que l'argent de 1 niveau, donc c'est un peu dommage. Enfin 18 déjà, mais il est très très bien, franchement. Donc voilà, donc moi il reste 14h30 pour l'utiliser. Du coup c'est pour ça que je vais actuellement l'utiliser. Je pense que ce serait une petite bonne idée. Alors, on va vouloir l'utiliser en pleine bataille. Ce que je vais faire, je vais prendre ça. Ça. Hein, il faudrait peut-être les prendre avant. Donc. Oh, je vais voir cette bastille et je peux la choper. Donc, on va voir s'il a des boosts. Il a des boosts de dégâts. Ok. Il est faisable à fond. Donc on attaque. Clairement il est faisable. Hein. Tung, tung, tung. Hop. On va immobiliser. J'aurais dû mettre des petites bestioles. Pom pom pom. Ok. On va attaquer celui-ci. Et encore un. Normalement ça devrait le tuer. Ouais. Ensuite je vais pas lancer des bestioles ici pour détourner l'attention des canons. Du canon en l'occurrence c'est mitraillette, etc. Là il va me démonter ici. Je vais un petit peu mieux ça pour que je garde quelques troupes quand même. Et que je puisse les retaper de l'autre côté. Voilà. Ça manque quand même que les bestioles soient plus guidées en fait par la flèche, etc. Et qu'on puisse plus les soigner non plus. C'est dommage. Mais c'est. Enfin, quoique ça peut être cool. Qu'elles suivent plus notre fusée éclairante. Parce que du coup, quand on fait des moves, elle continue à aller sur l'ennemi. Donc c'est peut-être pas mal. Mais après qu'on les soigne plus, voilà. C'est changé, quoi. Pium. Nouvelle défense tour de sniper. Félicitations, on a monté, c'est cool. C'est cool, faudrait que je monte plus d'ailleurs. On va mettre ça ici, hein, tranquille. Hop. On a eu d'autres boîtes. Tombe. On va prendre du fer, yes. J'en avais besoin. Ah, mais il faut vraiment que je monte parce que mon coffre est nul. Donc on va peut-être se faire des affaires, mais pour ça il faut se animer trop. Donc pium, 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 pium. Tranquille. Alors, j'ai directement récupéré ça. Hop. Alors où est-ce qu'on va aller Ouais, juste tester. Après je me ferai le Hammerman, vous inquiétez pas. Hein. Je l'ai même annoncé, etc. Donc pas de soucis. Je préfère me faire des bases en fait, ça rapporte plus. Voilà. Hop, direct. Ah oui, il est nul en plus. Pas bouger, il est niveau 51. Ok, tranquille alors. Hop, hop, hop. Ça va être facile ça. Et on bombarde ici. Et de l'autre côté. Voilà. On sait ça. Tranquille, tranquille. Il faudrait que je monte en vrai sur ma base ici et pas me concentrer tout le temps sur mon autre truc. Parce que cette base-ci, je la mets tout le temps en retrait, c'est problématique. Mais il faut que je monte. Je vais juste redemander à mes troupes d'aller par ici en fait. Même si on essaie d'office gagner, je sais, etc. Mais je préfère qu'elles subissent le moins de dégâts possible. Ça me coûtera moins de les réanimer après. Donc. Et win. Bien entendu, c'était facile. Il a mal joué, enfin il a mal mis sa base. Hein. Donc ça se voyait. Tong. Boum, retour. Donc c'est vraiment pour tester la troupe. Hein. Donc il faut vraiment y faire attention. D'ailleurs,
juste pour le délire, je pourrais mettre rien que. Hein. Donc c'est ce que je pense que je vais faire. Je vais mettre un peu plus de troupes, pas que rien que, parce que ce serait un peu pas très malin de ma part. Hop. Donc on va un peu changer. Quoi. Hop, 28. Voilà, comme ça, c'est vous les voyez un peu mieux. Allez, on va tester dessus. Parce que je pense peut-être ne pas les mettre assez d'avant. Bon, là, j'aurais peut-être dû mettre autrement, mais... Hop. Parce que je vais vous montrer à quel point ils ont une bonne portée. Donc, enfin, je vais mettre ça aussi, tiens. Comme ça, elles... c'était pas très malin, ça. On va les soigner. Et toi, on va te tuer. Il veut pas mourir. On va mettre ça. Et c'est bon, on va lancer toutes nos autos. Hop. Tong. Le lance-roquette va poser problème peut-être, alors on va le bombarder aussi. Et l'extermine directement. Boum. Les lances électrobombes, c'est vraiment la priorité, je pense. Je peux détruire. Et je sais pas ce que j'ai fait, évidemment. Pium. Voilà, maintenant c'est détruit en priorité. Hop, mais comme vous pouvez le voir, ça attaque vraiment à longue distance. Là, ça craint parce que s'ils tombent sur les mines, ils vont mourir. Ah, là, c'est un petit peu mieux. Je suis un peu plus rassuré déjà. Ah, bon, voilà, c'est bien. Parfait. Et c'est une mine. Donc voilà, c'est vraiment des petites attaques, donc c'est vraiment pour tester la nouvelle troupe qui, je trouve, est très 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 sympa. J'aurais dû vous la montrer en plus concret, donc c'est-à-dire tout simplement ici. Mais ce que j'ai fait, mais voilà, enfin, je vais vous montrer mon attaque en fait avec cette troupe, et c'est là que je me suis rendu compte qu'elles étaient vraiment très bonnes. Donc je vais faire en x4 d'abord, parce que j'ai commencé évidemment par attaquer du côté droit, vu qu'il y avait pas mal d'énergie à prendre. Plus je pouvais prendre les deux lance roquettes qui allaient m'embêter. Donc mon intérêt était de défoncer tous les boucliers ici, etc. Donc voilà, donc là je défonce absolument lance roquette parce que je sentais qu'il allait m'embêter. Donc voilà, c'était fait. Ensuite, je me suis dit que je vais aller défoncer lance électrobombe ici. Parce que il va tout simplement, regardez, il défonce toutes mes bestioles. Donc ça m'a assez énervé. Et du coup, je me dis, allez, j'allais prendre les boucliers tout seul. Je vais pas aller me concentrer là-dessus. C'est pas grave. Regardez, vraiment la distance qu'ils ont est énorme. Hein. Et du coup, lui il s'est occupé tout seul de lance-roquette en face. J'ai rien fait, il s'est occupé tout seul, donc c'était très très bien. Alors là, par contre, j'ai perdu mes troupes vraiment bêtement. Il me reste plus que les deux en fait. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte justement qu'elles sont hyper bien. Donc là, il a continué à taper. Et lui, il s'est fait tout plein d'énergie en fait. Regardez, boum boum. Il a failli s'occuper du dernier, il l'a pas fait. Mais on reste juste. Avec une attaque, on les a démontés. On l'a démonté. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est bien plus efficace ces troupes-là. Donc, ce que je vais vous montrer. Attendez, ça non, ça j'ai changé comme j'ai. Je vais remettre mes Zuka. Mais donc, elles sont plus efficaces, ces troupes-là, que. Mitrionir. Pourquoi? Parce qu'elles sont en combat assez rapproché. Elles seront facilement détruites par mitraite, etc. Elles ont peu de points de vie. Les dégâts qu'elles font, je sais pas s'ils sont meilleurs en fait, tout simplement que les autres. On va dire 30 dégâts par seconde, 38. Et toi, tu fais. Ouais. Clairement. Et elles sont pas. Ok, elles sont que niveau 1, les miennes. Mais. Il faudrait voir. Hein, mais il faut que j'améliore mon arsenal. Il y a autre truc à améliorer. Attendez, est-ce que je peux le faire directement? Allez, je vais faire ça. Oui, je sais ça, je me suis contredit, je garde pas de le faire pour mon sculpteur, mais je le ferai plus tard. Je le ferai plus tard, je placerai justement une bonne statue rouge, donc pour les troupes. Donc là, c'est bien parce que j'ai amélioré mes troupes du coup. Voilà, voilà. Et il me demande encore. Hein. Parfait, on a un peu de fer. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire quoi? Ben, je vais un petit peu. Et ça j'aime moins l'interface de maintenant. Je préférais l'ancien. Je sais pas vous. Je ne peux pas le dire. Hein. Mais moi, je préférais l'ancien. Et ici, rien du tout à faire. Hein. J'ai tout amélioré. Tout est maxé. Super. Du coup, je vous ai montré les troupes. Je pourrais vous faire un dernier combat.
The Last. Voilà. Pour vous, enfin pour le dernier quoi, pour close définitivement. Alors qu'est-ce que je pourrais prendre? Ça. Let's go. Et ouh, j'ai oublié de refaire mes troupes. C'était bête ça. J'aurais pu en soit attaquer avec les troupes que j'ai là, mais j'étais pas sûr de gagner, donc on va être sûr à 100%, je préfère. Donc voilà. Alors, s'il y en a qui s'intéressent pour le cuirassé, donc je vais dire tout de suite maintenant, vu que cette vidéo n'a pas pour but d'être longue, j'espère qu'elle sera pas trop longue. Cuirassé, c'est très bientôt 2 vidéos, j'espère que je vais arriver à les faire, il faut que j'en fasse 2. Voilà. Voilà pour l'info du cuirassé. Et du coup là, ces troupes là vont être remplacées, hein, bien entendu. Donc ce sera une barge de Zuka. Et l'autre c'était quoi? Non, une bâche de gros bras, pardon, je suis débile. Je oublie même ce que je mets. Donc voilà. Et du coup, vraiment, n'hésitez pas à me conseiller dans les commentaires. Si vous y connaissez à fond dans tout ça. Donc là, j'ai écouté le gars. Donc malheureusement, si tu regardes cette vidéo, malheureusement, j'ai pas détruire toutes mes trucs rouges parce que. Blanc. Enfin bleu, enfin bref, tout ce qui défend mes stats, tout ce qui augmente les points de dégâts des bats, etc. Pourquoi? Mais parce que c'est un très bon personnage que j'ai, je pense. Après, je peux me tromper, hein. Et j'ai peur de le perdre définitivement. Donc après, si tu me dis, voilà, tranquille, tu vas pas le perdre, c'est facile. Tu l'auras facilement de nouveau. Ok, je suis prêt à prendre le risque dans ce cas-là. Mais il faut que je sois sûr, quoi. C'est juste ça que j'ai dit. Est-ce que je prends le risque d'attaquer? On va attaquer ça. Hein. Hop. Hop. On prend un bâtiment. Ouais, ils sont morts. Donc non, là, j'aurais dû prendre ma barge de gros bras en plus. Clairement. Mais après, peut-être que c'est une victoire, hein. J'en sais rien. Mais il attaquait pas le lance-roquette en fait, le gars. Il me semble que si. Bon, il a changé d'avis, hein. Ça arrive. Et il meurt. Et moi aussi je meurs. C'est super. Bah oui, parce que je peux rien faire de toute façon. Mal joué celui-là. Du coup, je supprimais un gars. Ouais, on peut faire ça. Et on va supprimer. Toi, on va te supprimer. On va mettre des gros bras. Parce que normalement, ça devrait marcher maintenant. Hop. Hey. Non, pas toi. Direct. Là, ça devrait marcher à fond. Ça marche pas, c'est que je joue mal, tout simplement. Hop. Oh, punaise, il m'a défoncé direct. Vas-y, quoi. Ça, c'est pas cool. Je vais mettre par là-haut. Normalement, ça devrait détruire peut-être le lance-roquette. Bon, de toute façon, je me suis fait des points. Allez, hop. Toi, on se... Hop. Tranquille. On progresse. Mais je comprends pas où sont passés mes gros bras, en fait. C'est ça, le truc. Ils seront tous défoncés. Et ils meurent tous comme ça, bim. Ouais, non, c'est moi qui joue mal, en fait. Tant pis, hein. Ah, on s'arrête sur une défaite, quoi. Ah, ça me rend la... Ça me met la haine, ça. Ah, ça finit sur une défaite. Non, ça peut pas finir sur une défaite. Ça peut pas finir sur une défaite. Je suis désolé, mais ça peut pas. Et toi, j'ai pas envie de te réattaquer. C'est pire qu'avant. Normalement, toi, tu devrais être plus simple. T'es plus bas niveau. Ouais. Ça devrait être plus simple, effectivement. Attendez. Ouais, ça base. Ça que j'ai, là. Mais... J'oublie toujours de reprendre mes troupes, hein. C'est pas possible. Ça, je suis sûr qu'on m'a déjà engueulé pour ça. C'est celui-là que j'ai attaqué ou pas? Je sais plus maintenant. Ouais, c'est ça. Tranquille alors. Ok. Il y a de très très bons lance-roquettes. Donc, c'est ça que je pense. Enfin, je sais pas où, par quoi ils meurent les gros bras et ça m'énerve, hein. Donc on va tester ça tout de suite. Mais du coup, en fait, j'ai vraiment besoin de ce boost de troupes, hein. Comme quoi. Il a très très raison.
Et du coup, bah, je vais devoir. Qu'est-ce que je dois faire? Bah, supprimer mes boosts de... que j'ai actuellement. Sur mes bats. Parce qu'ils ne servent à rien. Mais en vrai, c'est parce que justement, j'avais vu les gros niveaux qui utilisaient ça. Je m'étais dit, bah tiens, je vais utiliser ça aussi. Mais ça sert à rien alors, du coup. Bon. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Alors, hop, on va attaquer là-haut. Ça va me faire des petits points. Normalement, ça devrait le faire. On les soigne vite fait parce que j'ai pas envie que tu meurs par quelque chose ou quoi. Même si ça devrait pas se passer. Hop, parfait. J'ai eu mes points. Ça continue ou pas là-haut? Ça continue, c'est bien. Non, c'est pas bien. En fait, il y en a un qui vous attaque. Ouais. Je vois ça. Alors, t'attaquer aussi. C'est parfait. En fait, cette attaque-ci a mieux marché. Toi, on t'attaque. Boum. Ouais, je soigne pour le principe. Hein. Pareil pour ici. Juste pour le principe. C'est gagné. Hein. Voilà. Donc là, vraiment, on a tout détruit. Donc ça, c'est bien. On s'arrête sur une victoire, du coup. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire de la troupe. Ce que vous me recommandez de faire comme amélioration, etc. Absolument. Donc voilà, donc moi je pense que j'ai supprimé un truc là-dedans. Hein. Ça ou ça. Je pense à la santé. Je pense que je supprimerai la santé, je mettrai un bon bâtiment de santé de troupe. Donc voilà, merci à tous. Abonnez-vous si vous voulez avoir toujours du contenu de ce genre, sûrement pour me soutenir. Ce serait cool et pour rejoindre la communauté qu'on a. Et pour qu'elle soit encore plus grande et qu'on évolue encore. Et pouce bleu, tout simplement pour si vous avez aimé. Tout d'abord. Et ça montre que vous aimez ce contenu, que je fasse Boom Beach, etc. Et que je continue à fond. Voilà. Allez, c'était Vadim, comme d'habitude, d'ailleurs. Portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao.